Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant, c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères, joyeux Noël à tous. En ce jour saint, jour de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous laissons aider dans notre réflexion par Saint Augustin et le pape Saint Léon le Grand. Ils célèbrent deux aspects de cette fête de Noël. Saint Augustin met en lumière ce que le Seigneur a fait pour nous en se faisant proche, en se faisant homme. Par contre, Saint Léon le Grand nous invite à la joie, car cette proximité maximale du Seigneur signifie pour nous le salut. Voilà ce que dit l'évêque d'Hippone. Le Seigneur Jésus a voulu être un homme pour nous, que personne ne pense que la miséricorde a manqué. La sagesse elle-même est couchée sur la terre. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Ô nourriture et pain des anges, c'est de toi que se nourrissent les anges, c'est de toi qu'ils se lassent, c'est de toi qu'ils vivent, c'est de toi qu'ils trempent, c'est de toi qu'ils se réjouissent. Mais où es-tu à cause de moi? Dans une petite demeure, enveloppée dans des linges, couché dans une crèche. Et pour qui tout cela? Celui qui règle le cours des étoiles suce au sein d'une femme. Il nourrit les anges. Il parle dans le sein du Père. Il se tait dans le sein de sa mère. Et nous continuons avec la voix de Saint Léon le Grand. Reconnais, chrétien, ta dignité. Notre Sauveur, cher ami, est né aujourd'hui. Réjouissons-nous.
Il n'y a pas de place pour la tristesse. Le jour où naît la vie, une vie qui détruit la peur de la mort et donne la joie des promesses éternelles. Personne n'est exclu de ce bonheur. La cause de la joie est commune à tous parce que notre Seigneur, vainqueur du péché et de la mort, n'ayant trouvé personne sans culpabilité, est venu pour la délivrance de tous. Que le saint se réjouisse, car il s'approche de son prix. Que le pécheur se réjouisse, car le pardon lui est offert. Que le païen prenne courage, car il est appelé à la vie. Enfin, nous ne saurons fêter cette fête de Noël sans pourtant reprendre dans cette méditation les paroles de notre Père spirituel, le Père Saint-Paul de la Croix, qui relie Noël à Pâques à travers le tableau que nous avons également mis en couverture de ces 3 minutes d'évangile dans lequel l'enfant repose sur le bois nu de la croix. Voilà ce que dit Saint Paul de la Croix, chers frères et sœurs. Je voudrais que vous célébriez le Saint Noël dans la pauvre étable de votre cœur, où le doux Jésus naîtra spirituellement. Présentez cette pauvre étable à Marie, très sainte, et à Saint Joseph, afin qu'ils l'ornent de vertu, pour que le doux enfant Jésus y soit bien. Il y a de nombreuses années, j'ai eu un bel enfant peint sur du papier allemand, dormant paisiblement sur une croix. Oh, comme j'ai aimé ce symbole! Je l'ai donné à une personne souffrante, mais qui a vécu une vie sainte, qui a été guidée par moi aussi longtemps qu'elle a vécu et qui était une des âmes les plus vertueuses et de la plus haute contemplation que j'ai connue, et qui est morte dans le contexte d'une sainteté. Je voulais, comme je la désire ardemment, que cette âme soit un enfant dans la simplicité et la pureté, qu'elle dorme sur la croix du doux Jésus. C'est pourquoi, au Saint Noël, lorsqu'elle aura l'enfant dans son cœur, tout transformé en lui par l'amour, elle dormira avec lui dans le berceau de la croix. Et au chant divin que chantera Marie très sainte, elle s'endormira avec le divin enfant, mais faite d'un seul cœur avec lui. Au nom donc de toute l'équipe de 3 minutes d'Évangile, nous vous souhaitons des excellentes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et que l'enfant Jésus visite toutes les petites crèches de nos maisons, mais surtout les petites crèches de nos cœurs. Et que l'enfant Jésus vous bénisse.